un matin apparemment tranquille au camp. Pourtant, il se passe quelque chose d'étrange. Malik et Brian ont disparu. Ont-ils été attaqués par des plantes carnivores? Kidnappés par un vilain castor? Encore plus grave que ça, une panne d'oreiller. Allez, les marmottes. Mignons vos pyjamas, les gars. Ouais, je sais, les filles adorent. Brian ronflait tellement fort qu'on n'a pas entendu le réveil. Fais gaffe, mec, tu perds ton mouchoir. C'est pas mon... Ah, si, mon mouchoir, merci. Bon, j'ai une de ces fins, moi. Tu peux me passer un croissant, s'il te plaît, Lisa? À votre service, majesté. Les déchets recyclables dans le bac vert. Les déchets pour le compost dans... Le broyeur jaune, on sait. Loterie, j'assure. Wouhou! Hé, hey, moi aussi je peux le faire. Oh. Les vitamines, c'est très bon pour la peau, vous savez. C'est horrible. T'en fais pas, c'est qu'un mouchoir. Mais... Ouais. T'as raison. Aujourd'hui, cueillette insolite. Vous allez voir, on trouve des choses formidables dans la nature. Hé, hey, les filles, calmos. Les petites bêtes mangent pas les grosses. Tu trouves qu'on est grosses? Laissez tomber. Top départ! C'est celui qui fait la meilleure trouvaille qui gagne. Hé, hey Malik, tu viens avec nous? Non, merci. Je préfère rester tout seul. C'est pas lui, ça. Adieu, fidèle compagnon. Comment je vais faire sans doudou? J'ai trop pas de bol. Mystère résolu. Le mouchoir de Malik, c'était son doudou. Squeak? T'es doux. Et tu sens bon. J'ai trouvé mon nouveau doudou. Hé, hey, pars pas. Bah, qu'est-ce que vous faites là? On cherchait Squeak. C'est pas bien de partir sans prévenir. Ah, petit coquin. Oh, faut pas traîner, hein. Annette va bientôt sonner le regroupement. Problème, Malik? Non, rien. J'arrive. Ta-da! Cool, non? Existe aussi en blonde. Génial! Et vous, les jumelles? Un fils de chez Palacia Bling Bling. Et vous l'avez trouvé dans la forêt? Carrément pas! C'était un cadeau avec le magazine Top Girl! Pourquoi pas? Et toi, Malik? Wow! C'est mignon! Fais voir! Hé! On dirait de la soie! Ou une toile d'araignée! Et ça sent bon! Le caramel et la mousse. Caramel et mousse, ça me dit quelque chose. C'est une très belle trouvaille. Félicitations. À l'abordage, moussaillon. On va tailler en pièces ces pirates de pacotille. Hé, hey, non. C'est à moi. Ouh là là, ça sent l'orage. On rentre. Mouais. Un orage, pas sûr. Alors, caramel... Yes! Écoute ça, Matt! Caramel et mousse, c'est l'odeur du flap à chat! Alors le tissu est à lui! Malik a trouvé l'écharpe du flap à chat! Oui, il nous fait bien comprendre qu'il veut la récupérer. Je propose qu'on en parle à Malik. La 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 la...
Ça va les amis? Il fait beau, hein? On dirait pas que l'orage vient de tomber dessus. C'est pas le tonnerre qui gronde, c'est le flapacha qui s'énerve. Vraiment? C'est quoi son problème? Ça va pas te plaire. Il veut l'écharpe que tu lui as empruntée. Comment tu sais ça d'abord? C'est moi qui l'ai trouvée, donc c'est mon écharpe. Sérieux? Tous les indices concordent. On va être obligé de lui rendre, sinon il va piquer une crise. N'importe quoi! Il est pas comme ça le flapacha. Il s'énerve jamais! On passe au plan B. Je t'assure, c'est le flapacha, là, derrière ce buisson. Mais c'est pas dangereux? Si tu dis qu'il est en colère... Mais non, t'inquiète. Je crois qu'il veut juste nous dire un truc. Bonjour les enfants. Bonjour flapacha. Oui, c'est bien moi. Dites les gars, vous auriez pas vu mon foulard? Non, parce que si je coince le petit saligo qui me l'a piqué, je peux vous dire que ça va bar... Aïe! Mais t'es dingue! Tu vas lui faire peur! Oula, c'est grave, t'as vu? Oh, il est tombé malade à force de se balader sans son écharpe. Il a l'air de souffrir, le pauvre. Ouais, ouais. Il y a un truc louche là-dessous. Attends, pas trop près! Sinon, tu vas l'effrayer! Au bout de serpillière, arrête de faire ton malin! C'est vraiment pas drôle comme blague! De toute façon, j'avais tout deviné depuis le début! Je suis pas un bébé! Bien joué, Brian! Ouais, j'ai vu que tout le monde paniquait, j'ai préféré intervenir. Les enfants! Je ne vous cache pas que les bruits étranges qui perturbent le camp nous inquiètent. Il s'agit certainement d'une bête féroce sur le point d'attaquer. Mais n'ayez crainte, ce monstre devra d'abord me passer sur le corps. Merci de votre dévouement, Hippolyte. Mais... je me demande si ça ne serait pas plus prudent de quitter le camp. Je vote pour la fin des vacances. Moi aussi. Quoi? Oh, désolé, les enfants. Préparez vos bagages, nous partons dans une heure. Tu te sens pas responsable, là? T'es vraiment lourd, Brian. J'ai même pas eu le temps de prendre le flapacha en photo. Malik, je sais que cette écharpe, c'est comme un doudou pour toi. Mais tu devrais la rendre avant de partir. J'enregistre, ça me fera un souvenir. Sois pas triste, Squeak. On reviendra l'année prochaine. Enfin, peut-être. Attendez. Faites attention, c'est fragile. Ne vous inquiétez pas, j'en ai suffisamment dans les autres pour refaire mon jardin en ville. Je vois. Oh, Hippolyte, quel dommage de devoir partir si tôt. Cet endroit est tout à fait paradisiaque, n'est-ce pas? Certes, certes. Vous savez, j'ai bien pensé affronter cette bête au corps à corps, mais... Ah! Elle arrive! Ah! C'est quelque chose aux villes! Squeak! Te voilà, petit pirate! Quelle voix! Tu nous as fait peur! Absolument pas! Il nous en faut plus, jeune homme! C'est donc ça, notre grosse bête? Bah, faut croire. Oula! Oui! Il a un sacré flapache... un chat dans la gorge! Merveilleux! Évacuation annulée! Hippolyte, vous pouvez ramener la terre dans le jardin! A
Aïe, 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 c'est de pire en pire. Je vous laisse, il faut aller soigner ça. Et Malik, c'est cool d'avoir accepté de rendre l'écharpe du Flapacha. Tu sais, je préfère perdre un doudou plutôt que mes vrais amis. Chut, taisez-vous, sinon il viendra jamais la récupérer. C'est lui. Excuse-moi, j'avais oublié. Vous trouvez pas que ça sent la mousse et le caramel? Mon doudou! Ah non! On s'est fait avoir comme des bleus! Tiens, bébé, doudou est revenu à la maison. Tu peux le garder, j'en ai plus besoin. Je crois que j'ai passé un cap, tu vois. Bien envoyé, Malik. J'ai une grande nouvelle. Demain, nous organisons des Olympiades et le vainqueur sera champion du camp. Ça sert à rien des Olympiades. On sait déjà qui c'est le champion. C'est moi. Ben voyons, je suis sûre que je pourrais te battre. Mais mon devoir de journaliste passe d'abord. Il faut que je couvre l'événement pour mon blog. Bonjour, l'excuse minable, t'es tellement trouillard que t'as peur que je te mette la honte. Moi, trouillard? Tu vas voir. Ok, je participe aux épreuves. Croyez-en mon expérience de grand sportif. Il faut aller tout de suite au lit pour être en forme demain. Y'a que les nazes qui se couchent tôt. Qui veut faire une méga course de karting sur ma console vidéo, hein? Ouais! Ouais! Oh, il m'énerve, ce Brian. Ouais, bah on est deux. Ça te dirait un petit entraînement spécial pour mettre la pâtée à Brian? Vous avez vraiment été un grand sportif? Bien sûr. J'ai été ceinture à rayures de karaté dans ma jeunesse. Waouh! Ok, alors ça marche. Bien. On commence demain à l'aube. Qu'est-ce qu'il fait, Matt? Il a peut-être eu peur. C'est nécessaire de s'échauffer 8 km juste pour 20 mètres de course en sac? Absolument! C'est très mauvais de démarrer à froid. Alors, le champion, t'es prêt à te faire laminer? Désolé pour ce léger retard. On attendait plus que vous pour commencer. Les enfants, vous êtes prêts? C'est parti! Ouais! Oh oui, vas-y mon matounet! Oui, allez, allez, Matt! Allez, Matt! Allez, vas-y, Matt! Wouhou! Brian, premier! Et Matt, dernier, hein. Mouais. Eh ben, c'est pas gagné. C'est parti! Trop fort, Brian! Nul! C'est nul! Ouais! Quelqu'un peut m'aider à me relever? Être aussi mauvais avec l'entraînement d'élite que je lui donne, vraiment, Matt me déçoit. Vous devriez lui faire une infusion de tilleul. Ça le remettra d'aplomb.
Oh, merveilleuse idée, madame la directrice. Du tilleul, du tilleul. Oh, on s'en fiche, une feuille, c'est une feuille. Le pire, c'est pas que je perde, c'est que Brian gagne. En tout cas, je filme tout pour ton blog. Tu pourras faire un super article. Ah, vous voilà. L'épreuve suivante est dans 5 minutes. Juste le temps de boire un petit remontant. Mais c'est pour qui la bonne tisane, hein? Motivé, hein, Matt? Jette ça, s'il te plaît. Avec Hippolyte, je crains le pire. Oh non, c'est trop mimi, il se donne du mal pour toi. Bois. Tout le monde en place pour l'épreuve suivante. Bon, on y va. Rejoins-nous quand t'auras fini ta tisane. Je me sens différent. Waouh, drôlement efficace cette tisane. Allez, c'est l'heure de mettre une raclée à Brian. J'ai une de ces patates. Trop fort. Et maintenant, mesdames et messieurs, l'épreuve du lancer de balai. Vas-y, Matt, commence. Autant rigoler tout de suite. À toi, Brian. Va chercher. C'est pas normal ce que t'as fait. Bonjour, la solidarité familiale. Y a rien de bizarre, c'est la super méthode d'Hippolyte qui paye. Voilà. Je suis le meilleur. Je suis le meilleur. Encore, bravo! Hourra! Encore 30 minutes et j'arrête. C'est un peu raté quand même. Oh, oh, c'était magnifique, c'était sublime. Oui, oh, c'est bon, c'est rien. Hippolyte, vous pouvez me refaire de votre tisane? Je me sens hyper déshydratée tout d'un coup. Bien sûr, champion. Pauvre Brian. Matt lui a pris les deux trucs qui étaient sa spécialité, le sport et la frime. Cette fois, il va me dire ce que c'est sa magouille. Ah, ça va mieux. Merci, Hippolyte. Bien. Maintenant, tu m'excuseras, mais j'ai quelques papiers à finir avant la prochaine épreuve. Allez, encore un petit coup pour la route. Ma méthode d'entraînement est fantastique. Je crois que je vais m'en servir pour épater Odile. Qu'est-ce que tu bois? Je peux goûter? Oui, non, tu sais, je buvais de l'eau. Je te sers si tu veux. La plomberie a vraiment besoin d'un coup de neuf. Tu me passes une cuillère, s'il te plaît. Oups. Quelqu'un a trop huilé le mécanisme, peut-être. Oui, c'est sûrement ça. Bon, à plus tard, Lisa. J'en étais sûre. Pour des performances optimales, on ne doit négliger aucun détail. Oh, et surtout pas le matériel. Laisse-moi, je sers plus à rien. Et si je te disais comment refaire de toi le numéro 1? Égalité parfaite entre Matt et Brian.
Oh, bah, il faudrait une dernière épreuve pour les départager. Ouais, de toute façon, je vais gagner. Alors, vas-y, choisis, Brian. Ok, pourquoi pas une épreuve de skate? Ça marche. Juste le temps d'aller boire un truc et je vous rejoins sur la piste. Du skateboard? Mais c'est parfait! C'est une bonne idée, n'est-ce pas, Hippolyte? Hippolyte? Je sens que les muscles chauffent bien, là. Chers téléspectateurs, qui va remporter la dernière épreuve? Brian ou Matt? Moi? J'ai une de ces... pêche, moi. Alors... c'est quoi comme épreuve? 10 000 mètres haies? Marathon? Oh, skate! Oh, oh, quelle coïncidence, hein? Il se trouve justement que j'ai été aussi un grand champion de skateboard dans ma jeunesse. Vous voyez, Odile, le secret, c'est l'équilibre. Ah, mais c'est vrai qu'il est doué! Qu'est-ce que c'est? Vous êtes prêts, les garçons? C'est parti! Quoi? Désolée, Lisa, mais j'ai d'abord un pote à repêcher. C'est ça. Vas-y, fiche-toi de moi. Mais non, tu t'es bien débrouillée. Bon, c'est vrai que tu manquais un peu de jus sur la fin, mais... De jus ou de tisane? Comment tu sais? Ben, t'étais pas hyper discret avec tes nouveaux pouvoirs. Hippolyte t'a donné par erreur de la tisane de Robustier, la super vitamine du Flapacha. Mais je l'ai remplacée par du thé vert. Nettement plus zen. Tiens, pour te remonter le moral, j'ai toutes les épreuves en intégralité. Fais voir. Lisa, pour enregistrer, il faut appuyer sur le bouton enregistrer. Bienvenue à cette dégustation de brocolis en plein air avec farandole de brocoli et sa sauce brocoli, soupe de brocoli en croûte façon brocoli, pasté de brocoli en gelée de brocoli, le tout accompagné d'un délicieux jus de brocoli fraîchement pressé. C'est super, Bodil. Vous nous gâtez. Je n'ai fait que suivre les recettes du livre que vous m'avez offert, Hippolyte. Je vous laisse ou je retourne classer mes graines de brocoli dans ma cabane de jardin. Merci, Hippolyte. Désolée. Des brocolis le matin, des brocolis le midi, des brocolis le soir. J'en peux plus. J'en fais même des cauchemars la nuit. Psst, pas de panique, les loulous. J'ai un super plan. On va se faire un petit dessert gourmand. Alors, vous en dites quoi? C'est hyper fin, non? Tu veux qu'on mange de l'herbe? C'est pas de l'herbe, c'est des pissenlits. Bougez pas, ça va faire la une de mon blog. Une nouvelle espèce de ruminant découverte dans la vallée sauvage. Mais laissons-les brouter et essayons de trouver une alternative dans le carnet des secrets. Voyons voir, le Flapacha doit bien avoir un quart de manger. Haha. Wow.
j'hallucine. Encore des brocolis. Hamburger au saucisson, sauce ketchup, crème chantilly, chocolat aux noisettes. Waouh, quand je vais raconter ça aux copains. Mais non, j'ai une meilleure idée. C'est pas mal aussi la ciboulette, hein les loulous? C'est vrai, et c'est pas mauvais. Et c'est plein de vitamines, de sels minéraux et de fibres. C'est vraiment trop cruel de manger toutes ces plantes innocentes. On peut savoir ce que tu mijotes? Tu tombes bien, j'ai trouvé un truc hallucinant. Tiens, goûte-moi ça. Les meilleurs brocolis de la vallée sauvage. Saumon fumé, fromage de chèvre, mandarine, vanille. Tout ce que j'adore. Matt, où t'as trouvé ces brocolis? Alors, je t'explique. En fait, j'ai pris ton carré des secrets et ensuite la suite. Évidemment, des brocolis du Flapacha. Ah, si seulement tous les brocolis pouvaient leur ressembler. Justement, j'ai un plan génial. Bon appétit! Merci, Odile. Waouh! Hot dog, mayo, framboise, cookie, noix de pécan. Trop intense! Frites à la purée, chocolat pistache, macarons, fruits de la passion, sardines à huile au caramel, poulet à la crème, grenadine, tiramisu, tiramisu, grenadine à la crème de poulet, ciboulette, pissenlit, aneth, basilic. Je détecte comme un parfum d'aligot et une pointe de cassoulet à l'ananas. Oh, oh, oh là là, Odile, mais c'est extraordinaire. Je ne comprends pas. C'est juste du brocoli. Mais l'essentiel, c'est que tout le monde se régale. Et quelqu'un en veut encore un peu? Ouais. Psst, Lisa, réveille-toi. On peut savoir ce que vous faites là, au beau milieu de la nuit? Je suis passé par hasard. Je suis insomniaque. Et moi, somnambule. On voulait juste jardiner un peu. Retournez immédiatement vous coucher et que ça saute. On n'a même pas le temps de manger un seul brocoli, c'est pas cool. Je suis pas sûre que ton idée était si géniale que ça, finalement. Ben, je vois pas le problème. Tout le monde aime les légumes maintenant. Non, pas les légumes, les brocolis du Flapacha. C'est pas pareil. Le petit déjeuner est prêt. Des brocolis. Bien sûr. Un petit instant, je vais en chercher au potager. Laissez Odile, je vais y aller pour vous. Je vais en forêt. Toi, tu vas dans le potager d'Odile, tu cueilles des brocolis et tu les caches quelque part pour qu'elles se doutent de rien. Et tu auras double ration de brocolis, cieux. Absolument divin. J'espère que nous en aurons encore au déjeuner. Quelque chose me dit qu'on pourrait arranger ça.
Allez, rien qu'une dernière fois. Et le Flapacha, t'y as pensé? Qu'est-ce qu'il va dire si tu lui prends tous ses brocolicieux? T'inquiète pas, je suis sûre qu'il s'en rendra même pas compte. Vous allez être terriblement déçus, mais vous allez devoir vous passer de brocolis ce soir. Ah ! Alors, à la place, je vais vous faire des pâtes au beurre. Ça vous changera un peu. Fallait pas tout ramasser. C'est quoi ce camp où on nous empêche de manger des légumes frais? Moi qui avais décidé d'être légumarien. On dit végétarien. Si ça vous tente, j'ai un petit reste de brocolis. C'est plus possible. Voyons, baie magique, bête sauvage. Ah, brocoli. Matt, qu'est-ce que t'as fait? Ah, le Flapacha va être furieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, il faut juste qu'on replante ses brocolis. Le Flapacha doit bien avoir des graines ou des outils quelque part. Cabane de jardin du Flapacha. Des graines de brocolicieux. Attention, l'abus de brocolicieux peut entraîner des effets secondaires comme... Il y en a qui risquent d'avoir des surprises. Ah, je sais pas vous, mais moi, j'en peux plus. Merci, Matt. C'était vraiment un menu 3 étoiles. Ouais, toi au moins, tu sais ce qu'on aime. C'était rien du tout. Tout le monde aime les brocolis, non? Au fait, tu les as trouvés où? Je croyais qu'il n'y en avait plus. Oh, sympa la nouvelle coiffure. Eh, faites pas cette tête, ça vous va plutôt bien. Ah, mes cheveux! Mais qu'est-ce qui nous arrive? À mon avis, c'est juste une grosse indigestion de brocolicieux. Vous pouvez dire merci à Matt. Des brocolicieux? C'est quoi cette histoire? Ouais, en fait, ces brocolis, je les ai volés dans le potager du Flapacha. Quoi? Mais t'es malade! Ouais, ce que t'as fait à mes cheveux, c'est criminel, mec. Pas de panique, ça sera passé d'ici demain matin. En attendant, je propose qu'on aille au potager du Flapacha pour réparer les dégâts de Matt. Les amis, le Flapacha ne devrait pas trop nous en vouloir comme ça. En tout cas, pour moi, les brocolis, c'est fini. Mon petit nez. Ça y est, on n'a plus des têtes de brocolis. Nous non plus. Nous non plus. Vous êtes contents? Grâce à Hippolyte, j'ai pu vous préparer votre gratin de brocoli préféré. Allez, on attaque! Quel goût ça a cette fois? Juste un délicieux goût de brocoli. Greta, approche, veux-tu? Elle a fait une bêtise, c'est sûr. Ce serait bien la première fois. Ma chérie, ce soir, nous fêtons ton anniversaire. Et comme le veut la tradition, nous organiserons en ton honneur une veillée au coin du feu. En
on va bien s'amuser. Monsieur Hippolyte jouera de la guitare sèche. Pour profiter de ce délicieux moment, nous ferons exceptionnellement une sieste après déjeuner. Je sais, ce n'est plus de votre âge, mais c'est indispensable pour tenir la distance ce soir. Tu parles d'un anniversaire, c'est une punition, oui. Bon, moi je dis, pour Greta, on devrait organiser un truc nous-mêmes. Tu veux dire en secret? Chut! Ce que je propose, c'est d'organiser une boum pendant que les adultes font leur sieste comme des bébés. Si le Flapacha pouvait venir, ce serait un super beau cadeau pour Greta. Ce serait top! L'interview du roi de la forêt en exclusivité par Mac, le grand reporter. Mais on s'en fiche, l'important c'est de se faire belle pour la boum secrète. Ouais. Mais le problème, c'est que le bruit de la fête va sûrement réveiller les adultes. Oh, c'est pas un souci. Lisa et moi, on s'occupe de neutraliser Hippolyte et sa bande. Les missions impossibles, c'est notre spécialité. Pas vrai, cousine? Allez, s'il te plaît. Ok, on gère. Ah, vous êtes là. Chut, ça reste entre nous. Je vous propose de préparer une surprise pour Greta. Qu'est-ce que vous en dites? Wouhou, vous dormez? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir, à votre avis? Et si on lui offrait un trèfle à quatre feuilles? Un porte-bonheur. Fantastique! Tout le monde le nez dans l'herbe! Le premier qui trouve passe son tour de vaisselle! Ouais, ouais, ça marche! Oh là là! Mais comment on va faire pour se débarrasser des adultes pendant la sieste? Moi, j'ai du concret! Avec cette sarbacane, on leur colle des boulettes de cire dans les oreilles et ils deviennent sourds comme des aveugles. Des boulettes comme celles que Squeak est en train de manger. Squeak, reviens! Oh, c'est moi qui gagne le gros lot. À quoi vous jouez? Hein? À rien. J'ai juste perdu mes boucles d'oreilles. Voilà, c'est ça. C'est bête, hein? Les mêmes que celles-ci? Oh, tu les as retrouvées! Merci, ma chérie, t'es un ange. Excuse-moi, faut que je file. Ok, déco? Prêt! Musique? Prêt! Éloignement des adultes? Matt? Lisa? Ouais, on est trop prêts! Je suis tombée sur Greta. Heureusement que je suis du genre maligne. Au fait, vous pourriez prévenir quand vous partez. C'est parce que on a eu une meilleure idée. On voudrait se déguiser pour ce soir. Formidable. Atelier couture pour tout le monde. En fait, ce serait plus drôle si on se préparait chacun de notre côté, vous trouvez pas? Comme ça, tout le monde aura la surprise. Vous êtes des petits génies, les loulous. J'y vais. Oh, yes, trop cool. Oh, il doit bien y avoir un moyen d'écarter Hippolyte et sa bande. Et si on les assommait pendant leur sommeil? C'est pas un peu radical, non? Bon, ben on est fichu. Bombe secrète, analyse d'un échec cuisant. Ah, le Flapacha pourrait sans doute nous aider, mais... Ah! Matt, mais t'es couvert de fourmis. Je sais, merci. Aide-moi, ça chatouille. Pas de panique. Faites-nous confiance, nous sommes là pour vous aider. Mais il débloque ton lecteur. Absolument pas, vous avez tout faux, ma chère. Dépêche. Attends, mais j'ai l'impression que les fourmis nous parlent. Bravo, elle a gagné. Matt, c'est incroyable! Les fourmis se servent de la radio pour nous parler! Super! Tu peux leur dire que mon caleçon, c'est pas un stade de foot! Hé! Hey, dépêchez-vous! Je sens qu'on va se faire griller! Tu parles tout seul, Malik? Bruta! Non, enfin, si en fait, je me rappelais d'un vieux proverbe malien. Dépêche-toi de traire la vache avant la sieste du crocodile. Sinon, la flèche du guerrier sera molle comme les fesses de l'hippopotame. Ah, la sagesse du peuple malien. À plus, Malik. Ouais, ouais, c'est ça, à plus.
Waouh, alors vous connaissez vraiment le flapacha? Un peu, mon neveu. Votre ami a un problème? Il n'y en a plus, t'es sûr? Regarde bien. T'inquiète, elles sont bien parties. Ah, il est très émotif, vous savez. On est comme ça, nous les humains. Plus c'est grand, plus c'est bête. Ouais, nous les petits, on est plus des brouillards. Ah, vraiment? Vous allez peut-être pouvoir nous aider alors. Ah, ça va mieux. Psst, n'oubliez pas la boum cet après-midi. Psst, prêt pour la boum, les gars. Psst, la boum, c'est pour... Hein? Excuse, je n'ai pas entendu. Rien. Je disais... Alors ça boum, Greta? Les gens sont trop bizarres aujourd'hui. Les enfants, c'est l'heure de la sieste. C'est bon, les petits loups. Mon déguisement est prêt. Oh, cool. Bon, on voit ça après la sieste, ok? Oh, le meilleur moment de la journée. Normalement, elle ne devrait pas tarder. Je le sens pas, ton truc. Ça m'étonnerait que... Fidèle au rendez-vous, nous sommes à votre disposition, mesdames et messieurs. Bonne sieste, les petits. On se retrouve après la boum. Après ce match, je crois qu'on peut être satisfait du résultat, non? C'était parfait. Merci de votre aide. Oh, mais c'est tout naturel entre voisins. Lisa, il y a comme un problème. Rien que pour vous, j'ai invité des potes. Comment ils s'incrustent, c'est abusé. En même temps, c'est un peu grâce à eux si la boum peut avoir lieu. Attends, me dis pas que tu as l'intention de laisser faire. Seulement s'ils promettent de rester sages. Attention, Greta, tu es prête? Bon anniversaire, Greta! Pour moi? Mais c'est fou! Ouais! On est des oufs et on va faire une fête de dingue! Dépêchez-vous de rentrer, on s'occupe de tout ranger. C'est bon, vous pouvez sortir. Lisa, tu devras pas rester devant. Ah.
C'était très agréable de passer ce moment avec vous. Merci pour votre invitation. Au revoir et à très bientôt sur la même antenne. Merci les amis. À bientôt. Hein? Bravo pour la petite siesta, on s'est amusé comme des fous. Signé le Flapacha? Il était là? J'ai raté le scoop de ma vie. Ohé, Flapacha! Merci! La prochaine fois, on échange nos numéros de téléphone! Youhou! Bravo! Allez les enfants, on encourage l'artiste! Youpi! C'est la fête! Ravissant votre costume, Annette. Merci! Ce sont les enfants qui m'ont donné l'idée. Ils sont tellement créatifs. On se demande où ils vont chercher tout ça. Oh, j'en peux plus. C'était pas ton idée de faire des châtaignes grillées pour le goûter? Si, mais je savais pas qu'Hippolyte allait nous désigner pour les ramasser. De toute façon, on en a suffisamment. Allez, viens, on rentre. Ça y est, mission accomplie. Hein? Ah, oui. Posez ça au réfectoire. Je vous rejoins après ma comptabilité. Prête? Cette fois, c'est ton tour. Ah, t'as les mains moites, c'est une horreur. Merci, Matt. C'est qui, Matt? Ha ha ha. Tu devrais garder ton chapeau, ça protège des coups de soleil sur la tête. Alors, t'as ramené des châtaignes? Non, mais je sais où en trouver. Je peux vous montrer si vous voulez. Franchement, tu trouves qu'on a des têtes à ciser les ongles pour faire la cueillette? Non, mais je vous trouve jolie quand même. Ah. Ah, c'est plus de mon âge, les travaux physiques. Oh. Hein? Squeak, tu nous as fait peur. Hep, hep, hep. Repose ça, mon gaillard. Laisse tomber. Il a droit à sa part, lui aussi. 3243 plus la racine carrée de 12,8 égale 3204. Trop facile. Elle est bizarre, cette eau. Elle vient de quel lac? Burk, je sais pas comment tu fais pour boire ça. Mon cahier! Si tu vois Matt, dis-lui que nous aussi, on le trouve trop mignon. Surtout depuis qu'il a changé de look. Il est trop chou sans son chapeau. Ah. Qu'est-ce qu'elle voulait, les grincheuses? Rien, rien. Laisse tomber. Incroyable, non? C'est un ballon de foot. Merci. Bon, tu peux le reposer que je tire mon penalty. Prêt? Hey, t'es malade! Hein? Regarde dans quel état tu as mis mon cahier de maths! Tu vas me payer un autre ballon, mec! Mais j'ai rien fait! Ah, vous avez mangé des prunes de l'arbre à délire, c'est ça? Attendez! Ça ne peut pas être lui, on était ensemble toute la journée! Matt, est-ce que tu as dit aux jumelles qu'elles étaient mignonnes? T'es folle! Jamais de la vie! Je le jure, sur la tête de mon téléphone portable.
Ils ont dit que tu étais chou sans chapeau. Venez, faut que je vérifie un truc. C'est vrai que tu nous trouves jolies. Toi aussi t'es pas mal, tu sais. Écoutez ça. Le lac de la forêt est habité par des esprits qui peuvent prendre notre apparence si on se regarde dans l'eau. Quand je me suis mis de l'eau sur la figure, j'ai retiré mon chapeau. Sérieux, tu les trouves vraiment mignonnes, les jumelles. C'est pas moi, je te dis. T'as pas encore compris que c'est mon reflet qui se balade dans la nature? Il faut absolument qu'on le retrouve. Alors? Rien. C'est bizarre, il a pas plu depuis 10 jours. Ah, je te tiens, faux frère. On joue? Non, c'est pas un jeu. Écoute, tu mets en danger le secret de la vallée en restant ici. Il faut que tu retournes au lac. Pourquoi? Je m'ennuie là-bas. C'est l'heure du goûter. Qui veut des châtaignes? Moi, j'en ai jamais mangé pour de vrai. Tu verras, c'est délicieux. Oh, j'y crois pas. Il me pique ma place. Matt, passe-moi du bois, s'il te plaît. Qu'est-ce que... Mais il est tout trempé. Eh bah oui, c'est parce que j'ai... C'est la rosée de 4h12, c'est bien connu, non? Ouais. Wow, c'est beau. Matt, on t'a déjà dit que tu avais les yeux bleus, comme un lac profond? Oui, on me le dit tout le temps. Manquerait plus qu'ils mangent mes châtaignes en plus. T'inquiète pas, il y en a assez pour tout le monde. Allez, viens. Non, vous êtes sympas, les filles. D'ailleurs, c'est vous les plus sympas ici. Oh, Matt, c'est trop beau ce que tu dis. Non, vraiment, je sens que le courant passe entre nous. C'est dingue. On a ressenti la même chose. Matt, qu'est-ce qu'ils ont... J'ai vu deux Matts. Il y avait deux Matts. Calmez-vous, Hippolyte. Vous avez eu une légère hallucination, ce n'est rien. Ils étaient deux, les mêmes têtes. Cherche pas à nous mettre des bâtons dans les roues, chérie. Sinon, c'est la guerre. Matt, je crois qu'on a des choses à se dire. Vous êtes sûre? Certaine. Le problème, c'est que l'esprit du lac se sent trop bien ici. Il faudrait lui faire comprendre que... Chut! Matoulet! Où est-ce que tu te caches, petit coquin? On n'a pas terminé! Elle te kiffe grave! Je t'envie, mec! Oh non, tu peux pas imaginer comment c'est horrible! Je ne suis pas fou! Ils sont là! Je sens leur présence! Venez, Hippolyte, vous avez besoin de repos. Une bonne tisane vous fera le plus grand bien! Vous croyez? Bien entendu. Vous êtes en proie à un léger surmenage, mais tout va bien se passer. Hein? Je ferai la comptabilité à votre place, si vous voulez. Oh, je veux bien. Donc, je disais, les jumelles, c'est un cauchemar. J'en ai vécu des trucs, mais là, personne peut supporter ça. Matt, t'es génial! Je sais. J'ai un plan. Merci. Ouh, Matoulet, t'es où? Oh, ça y est, ça commence. Je vois double. Bon, j'espère que ça va marcher ton truc. Ohé, les filles! Ok, j'avoue, moi aussi je craque pour vous. Ah, c'est tellement romantique. Sauf que je sais pas laquelle choisir de vous deux. Hein? Alors voilà, celle qui sera le plus souvent avec moi,
sera l'élu de mon cœur. Ok, de toute façon, c'est moi qui préfère. Hé, il est à moi, voleuse. À moi, non, à moi. Arrête de faire le perroquet, c'est toi d'abord. Il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Comme ça. C'est l'amour, mon ami, t'as vraiment une côte d'enfer. Elles vont pas te lâcher. Finalement, je préfère mon lac, c'est plus calme. Aïe, j'en connais qui vont être déçus. À la prochaine, vous m'excuserez auprès des filles. T'inquiète, on transmettra. Bye bye. Il était mignon quand même. Youhou ! Yes ! Ça fait du bien d'être un modèle unique. Il est revenu ! Stop ! On se calme. J'ai changé d'avis, je suis plus amoureux. Désolée. Soyez pas triste, hein. C'est la vie. Un de perdu, 10 de retrouvé. Non mais pour qui tu te prends ? On te quitte, tu te fais larguer, ok? Quel ringard! Ça va aller, Matt? Pas trop triste? Je crois que je m'en remettrai, merci. T'inquiète, je suis là, moi. Oh, les amoureux, oh, les amoureux. Salut Lisa! Regarde ce que j'ai trouvé! C'est parfait pour la chasse au scoop! Aïe! Matt, les troncs express se ferment toutes les 2 minutes. C'est marqué dans le carnet des secrets. Ouais, mais tu veux jamais me le prêter? Tu le sais bien, le carnet c'est une grande responsabilité. Et si on l'utilise mal, c'est la forêt tout entière qui est en danger. Matt! Ça va, je jetais juste un petit coup d'œil. J'ai dit non. Tu n'es pas assez responsable. Après des mois et des mois de recherches intensives sur le terrain, j'ai enfin terminé ma collection d'échantillons de cris d'animaux de la forêt. Oh, c'est formidable, Hippolyte. Je suis très fière de vous. Merci. Et pour fêter ça, je vous ai préparé une petite écoute commentée. En voiture! On commence par le chardonneret élégant des sapins. À ne pas confondre avec le chardonneret élégant des fougères. Elle va voir si je suis pas responsable. Elle peut le garder, son carnet des secrets. Moi, j'ai mieux. L'ordinateur du Flapacha. Wow. Il y a toutes ces infos sur la forêt là-dedans. Trop bien. Oh. C'est la copie intégrale du carnet des secrets. Téléchargement enclenché. À moi.
moi tous les secrets du Flapacha. Et ça, c'est un gros bec casse-noyau. Vous apprécierez au passage le sens du rythme de l'animal. Ah oui, ça... Ça donne tout de suite envie de danser. Salut les filles, ça va? Ah, c'est quoi cette odeur? Viens ma chérie, on risque d'attraper les microbes si on reste là. Mais j'ai pris une douche le mois dernier. Pauvre Brian. Bon, voyons ce que le carnet peut faire pour lui. Brian, c'est quoi ça? C'est un bousier mangeur de crasse. Avec ça, adieu les douches. Le pied. Ah non, 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 pas celle-là. Elle est collector. Malik! Pas de soucis, Lisa. J'ai des papillons anti-chute. C'est génial, non? Tu les as trouvés où? C'est Matt qui m'a filé l'info. Coiffant et 100% naturel. Toi au moins t'es sympa. Ouais, c'est pas Lisa qui nous donnerait ce genre d'infos. Rends-moi mon carnet. Hein? Mais de quoi tu parles? Je te l'ai pas pris. Ah ouais? Et d'où tu sors toutes ces infos sur la forêt? J'ai mes propres sources, figure-toi. Je m'en fiche de ton carnet. Et si ça se trouve, tu l'as juste perdu. Peut-être que tu n'es pas assez responsable. Perdre le carnet. Mais tu te rends compte? Heureusement qu'on en a une copie maintenant. Tu crois pas qu'il y a un rapport quand même? Oh non! Y a plus rien! J'ai effacé le carnet! Pas de panique! Il suffit d'inverser l'opération, oui. Quelle opération? Mais qu'est-ce que je fais là? Alors, c'est ça l'ordinateur du Flapacha? Ouais, mais t'es gentil, c'est pas le moment. Eh, hey, mais c'est mon bousier. Ah, bravo. Tu viens de télécharger ton bousier dans mon téléphone. C'est carrément incroyable. C'est pas un jeu. On croirait entendre Lisa. C'est malin. Regarde ce que t'as fait. Les fichiers de l'ordinateur sont en train de se télécharger dans mon téléphone. Et c'est grave. Quoi? Mon carnet est dans ton téléphone? Et si on fait rien, c'est toute la vallée qui va disparaître. Mais c'est horrible! Ça veut dire qu'on va disparaître nous aussi? Je veux pas vivre toute ma vie dans un téléphone, moi. Mais elle est peut-être là, notre solution. Surveillez les adultes. Nous, on retourne à l'ordinateur. D'abord, il faut qu'on retrouve le carnet. Ah! Tu fais quoi, là? Je nous envoie dans ton téléphone. Ah! Wow! Alors, c'est comme ça, mon téléphone? C'est pas très bien rangé. Oui, bon. Ben, je te rappelle qu'on est là pour trouver le carnet, ok? Mm-hmm.
tranquille du côté des adultes. Elle risque pas de remarquer quoi que ce soit. Trouvé! Ah, trop fastoche. Oh. Matt! Bien joué, cousin. Bon, pour annuler l'opération, il suffit d'appuyer sur le bouton stop. Ok, il est où ce bouton? Est-ce qu'elle est tout rouge et ressemble à un énorme champignon? Ok, ça les a pas réveillés. Surtout, personne ne bouge. Vive, il va bientôt plus rien rester dans la vallée. Oh non, on va jamais y arriver. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je vais plus tenir très longtemps. Je vais lâcher. Encore un peu. C'était drôlement enrichissant, Hippolyte. Oh, merci pour cette présentation. Content que ma collection de chants d'oiseaux vous ait plu, Odile. On va passer à celle des bruits d'insectes. Ah oui? Je suis sûre que le Flapacha serait très content de nous trouver ici. T'avais raison, Lisa. Les secrets de la forêt, c'est une énorme responsabilité. C'est pour ça qu'on va la partager. Tiens, tout ça ne serait pas arrivé si je t'avais fait un peu plus confiance. Non, garde-le. Chacun son truc. Et moi, c'est plutôt le reportage, tu vois. Hmm? Oh, mon téléphone! Il est resté dans l'ordinateur du Flapacha! Oh. Merci, Flapacha! Bah, qu'est-ce qu'il y a? Il est totalement vide! Ça marcherait pas. Je comprends pas, mais j'étais sûre que le Flapacha aimerait les chips et la sardine. Moi, je crois que t'as perdu ton super insta de journaliste. C'est bon, je vais le trouver tout seul, le Flapacha. Et mon petit doigt me dit que cette fois-ci, ce sera la bonne... Ah, oh non, Matt! On peut dire que tu as de la chance, mon garçon. Pile sur mon tas de feuilles. Sans ça, c'était la patte cassée assurée. Ça va, Matt? Ma parole. Je me trompe ou je suis en face d'une authentique petite Sioux? Mais c'est vrai, du côté de ma mamie. Comment vous avez su? Après 32 tours du monde, c'est des choses qu'on sait d'instinct. Matt! Lisa! Tout va bien? J'ai entendu crier. Pas d'affolement, Odile! Je me suis pas fait mal. C'est moi qui les ai sauvés. C'est un vieux truc du Flapacha pour rester incognito. Et en plus, il connaît le Flapacha. Il faut qu'il vienne avec nous. Je sais pas trop.
J'ai une intuition bizarre. Il t'a sauvé la vie. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Enchantée, chère madame. Je m'appelle Louis Ambroise. Louis, pour les amis. Ça suffit, là, hein? Odile, on pourrait peut-être inviter Louis Ambroise pour le remercier. Oh, quelle excellente idée, Lisa! Inutile d'embêter ce monsieur plus longtemps, Odile. En fait, j'ai tout mon temps. J'accepte l'invitation. Oh, c'est incroyable, cette histoire! Et encore, je ne vous ai pas raconté la fois où j'ai sauvé deux bébés dauphins d'un gang de requins affamés. Bon, d'accord, je vous raconte. On n'a plus le temps, là. Bon, de toute façon, Louis Ambroise aura l'occasion de raconter cette histoire plus tard. Il reste avec nous jusqu'à demain. Mais pas du tout! Il n'y a plus de place, de toute façon. Il peut prendre le lit de Matt. Tu dormiras dans le fauteuil, ok? Parfait! Louis Ambroise, je vous nomme officiellement invité du camp. Ouais, ouais, bravo, c'est très bien. Mais c'est l'heure des activités de l'après-midi, là. Alors à plus tard! Maintenant qu'on est tranquille, vous pouvez nous raconter. Sur le Flapacha, je veux dire. Où il vit? À quoi il ressemble? Il est grand, mais on en parlera plus tard. Si on allait faire un foot, j'ai été 10 fois champion de la forêt. Et vous appelez ça du foot? Ça ferait bien rire le Flapacha. Je le sais, c'est moi qui lui ai appris à jouer. Un petit conseil, Malik. On ne vise jamais. Toute la technique, c'est de taper le plus fort possible. Wouah! C'est le meilleur conseil que j'ai jamais entendu. S'il vous plaît, vous voulez bien nous entraîner? J'accepte. C'est bien, les enfants. Lisa, serre-toi plus de tes mains. Ryan, fais-lui un crochet d'enfant. Les enfants ont l'air de beaucoup l'apprécier. Je trouve qu'il est un peu mauvais genre. Ce n'est pas un modèle comme il faut pour les enfants. Youhou! Louis Ambroise! Qu'est-ce que vous disiez? Oh, tu tombes bien. J'avais plus de biscuits. Alors, si tu pouvais aller m'en chercher un paquet ou deux? En fait, je venais vous poser quelques questions sur le Flapacha. Oh. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, tu sais. Oh, vite! C'est ma flore préférée! Vous devez faire quelque chose! Ne bougez pas! J'arrive! Oh! Merci, Louis Ambroise! Vous êtes un vrai héros! Oui, c'est de naissance. Ah, il est vraiment trop fort! Vous pouvez rester aussi longtemps que vous voulez. Je vous élève au grade d'invité d'honneur. Ouais! C'était à moi de la sauver. Un de nous deux est clairement de trop dans ce camp. Et c'est moi. Alors, j'ai attrapé le sanglier par les défenses et je lui ai répondu: t'as oublié de dire s'il vous plaît. Il y en a qui essaient de dormir ici. C'est bientôt l'heure du petit déjeuner. Vous me le rapporterez. Pas avant que vous racontiez quelque chose sur le Flapacha. Louis Ambroise, Hippolyte m'avait promis de réparer la machine à laver, mais je ne le trouve nulle part. N'en dites pas plus! Je suis l'homme de la situation. Oh, merci, Louis Ambroise. Je peux compter sur mon petit reporter et ma petite Sioux pour une mission de la plus haute importance.
clair. À chaque fois que je lui pose une question sur le flap à chat, il se défile. Le flap à chat lui a sûrement demandé d'être discret à son sujet. Ah ouais? Et comment t'expliques ça? Je l'ai trouvé hier et c'est pas le style d'Hippolyte de s'en séparer. Je crois que lui Ambroise s'est débarrassé de lui. N'importe quoi. T'as des preuves? Non, pas encore, mais je compte bien en trouver. Tu t'es jamais demandé ce que Louis Ambroise faisait là quand je suis tombée? Oh! Une carte de prisonnier? Alors, c'est pas un vrai aventurier? Ok, t'as des super intuitions. C'est toi qui avais raison. Il me semble que quelqu'un a perdu quelque chose. Tu l'as retrouvé? Figure-toi que je l'avais prêté à Lisa et la pauvre petite l'a perdue en forêt. D'ailleurs, je crois que c'était pas une vraie sioux. Ah! J'étais justement en train de raconter une petite blague à Matt. Est-ce que ça avait un rapport avec ça? Parce que je sens qu'Odile aussi va aimer cette histoire. De toute façon, c'est votre parole contre la mienne. Je suis l'invité d'honneur. Alors vous êtes gentil, mais alors là, je suis hyper occupé. Et dire que tout ça, c'est ma faute. On va jamais arriver à le faire partir. Seul Hippolyte a le pouvoir de renvoyer un invité d'honneur. Oh, si seulement il était là. Les enfants. Ah! Hippolyte! Mais qu'est-ce que vous faites ici? Je voulais partir, mais j'avais peur de me perdre dans la forêt. Alors je me suis installé ici. Vous voulez entrer prendre un chocolat chaud? Non, merci. Mais vous pouvez pas rester là, on a besoin de vous au camp. Je ne suis plus d'aucune utilité. Louis Ambroise me remplacera. Mais nous, on compte sur vous. Et Odile aussi. Vous avez pensé à elle? Oui, tout le temps. Laissez-moi maintenant. Viens, Lisa. On va se débrouiller tout seul, puisqu'Hippolyte a décidé de nous abandonner. Attendez! Louis Ambroise? Il y a quelqu'un ici qui aimerait vous parler. Si c'est encore Brian qui veut jouer au foot, dites-lui que je suis très occupé. Non, ce n'est pas Brian. Qu'est-ce qui se passe ici? Fainéantise aiguë, hygiène douteuse, pillage des réserves de biscuits. Ton compte est bon, mon petit bonhomme. Mais je suis invité d'honneur. Article 785 du Code des camps d'été. Tout invité d'honneur est soumis au même règlement que les autres et n'est en aucun cas dispensé des activités suivantes. Vaisselle, nettoyage des cabanes, ramassage des papiers gras, lessive et atelier origami. Et si l'on fera le Code, rien ne l'exemptera de la punition ultime. Le carton. Ces aventuriers, tous des petites natures. Et si vous nous disiez la vérité pour une fois? Quand vous m'avez vu, j'étais de corvée de balayage de feuilles. C'était ma punition pour avoir menti au frère Castor et à la famille Lapin et à tous les autres animaux de la forêt. C'est plus fort que moi, je suis qu'un gros menteur. Et en plus, j'ai jamais quitté cette forêt. Et j'ai jamais rencontré le flapachat. Pourquoi vous ne partez pas à l'aventure pour de vrai? Mais la punition... Je suis sûre que ça peut s'arranger. N'est-ce pas, Flapacha? Wow. À moi, l'aventure! Merci, Flapacha! Grâce à vous, je vais enfin avoir de vraies choses à raconter. Bon voyage! Et plus de mensonges! Promis! Juré!
revoir, les copains. Et maintenant, elle te dit quoi, ton intuition? Que le Flapacha est toujours dans les parages. Un safari photo, ça te dit? Et comment? En fait, j'ai rien à apporter à manger, moi. Et je sais pas nager. Eh oh, les copains!